et Dominique en l'anoul, bon c'est faut nous prendre ça parce que monsieur là il en enfer là. Non mon a parlé là, ça c'est dans l'enfer lié parce que des bon mon camp en face pays d'Haïti ou pas qu'à l'ancien. C'est dans l'enfer pour hier. Et bien prêtre catholique là, monsieur font crise cardiaque et l'anoul, qui ça passe exactement même? Et Jimmy nous capable dire prêtre et prêtre catholique ça qui lui-même c'est ah c'est venu placer saint ça Jimmy en face cadre là et phénomène ça t'a parlé de plume sous dos haïtien et même côté que le 17 décembre la date et même côté que n'a pas été prêtre catholique ça Jimmy qui répond au nom de Maximo Rodriguez. Maximo Rodriguez 17 passé là nous connaît avec qui devine installer un saint en face canal là et bien par rapport avec mystique que d'après se voir à plusieurs reprises en République dominicaine. La République dominicaine de son calcul, mais farceur capable de faire, c'est d'installer un saint. Saint ça qui identifié comme saint la paix de Altagracia, la Santa Altagracia, c'est Saint Altagracia et son saint va adorer en ville dans une ville en République dominicaine. Et bien, ils ont considéré Saint ça comme un saint, c'est défenseur qu'il y a. Et bien, je viens installer Saint-Saint, actuellement là, nous connaissons, qui est installé en face canada, et qui a plusieurs cérémonies mystiques que nous connaissons ici au TV, des grands effets sous canal là, et bien, vous en face Saint-Saint, comme quoi, il est repoussé Saint-Saint. Donc, nous avons dit, pour qu'on y a là, et bien, il n'y a pas de prêtre catholique ça, qui devait installer Saint-Saint, qui était responsable d'une place Saint-Saint, et bien, il s'est à peine boit de l'eau bouchée, après une crise cardiaque qu'il fait, et bien, il va même être couru. Il va même en battre Jimmy, et bien, il est arrivé à mourir en parlant de Saint-Saint, qui c'est Maximo Rodriguez, yon prêtre catholique en République dominicaine. Le monde a parlé là, et bien, ben, ça crée en pile par en pile confusion, que plus la paix en République dominicaine, en pile par en pile, même dans les médias, par banque, et bien, prêtre catholique ça qui arrive près du pile, et bien, ben, ça fait qu'on est, dit qu'on est. Gen les haïtiens c'est diable vrai, et bien est-ce que c'est ça qui fait ce canal là, est-ce que c'est la cérémonie, est-ce que c'est la cérémonie qui fait ce canal là, et bien ou bien est-ce que c'est ça et ancêtres nous yo mais qui frappe qui cause et bien ça a été passé sur en face canal mais cause près de 14 même il y a été perdu la ville dans le moment n'a pas parlé là. Voilà n'a pas avancé Salomon. Eh bien, Jimmy, nous avons avancé avec l'information. Nous avons NDDH, beaucoup de parlants, à travers. Et nous avons parlé de Pierre Séance, qui m'a demandé beaucoup de parlants. Eh bien, nous sommes là pour que le ministre de la Justice révoque Jean-Ernest Muscadet. Nous avons lettre NDDH écrit avec Émilie Prophète. Mais nous avons maintenant dit ça, NDDH, Pierre Séance. Nous avons le chef cabinet, ministre de la Justice, qui est ancien membre NDDH. Eh bien, là, encore, et bien, on va parler Paul Eosvila, et qui est chef cabinet, ministre de la Justice, qui est membre NDDH. Nos lettres Pierre-Espérance écrit avec Émilie Prophète, lui demander avec Émilie, est-ce qu'elle va au courant de Zach Brigandage, et bien, on va parler de Jean-Ernest Muscadet à faire dans le département du plan. Et bien, nous avons NDDH qui écrit, qui demande pour révoquer Jean-Ernest Muscadet dans le tête, et nous allons parler et commissaire gouvernement dans le tête. Et comme c'est vraiment dans le développement du plan Léonel, ça qui se fait quoi? Tout le monde dans le plan, et bien nous, jusqu'à présent, il y a une bataille qui a fait ça, et nous, il y a une expérience à travers Woody Sano, qui est un homme qui est toujours défendre, et nous, comme on dit, et NDDH, qui est une expérience, mais même Woody Sano, ça a été un journaliste encore, en deux pays qui continue à demander, et bien nous, comme on dit, départ. Et bien, retirer le commissaire gouvernement, mais il y a un pile d'autres journalistes qui ont pensé en deux pays, ils ont même toujours entré dans la logique pour eux, capables de retirer Jean-Ernest Muscadet dans 7 ans, et bien, comme le département d'État comme commissaire gouvernement, Léonel. NDDH, qui signifie réseau de défense des droits humains, mais qui peut assembler avec un réseau de droits humains, qui t'a pu sembler diminuer avec réseau de défense, réseau national de défense des droits des gangs. Si nous bien, nous avons plus de l'ENDDG, qui t'a signifié de préférence réseau de défense des droits des gangs. Et Pierre Espérance, qui fait qu'on est, mais il prend note des lettres de blâme sans ménager qui s'en va de Émilie Prophète, c'est adressé et vrai, commissaire Muscadet,
et également commissaire Richemont, mais ENDDH fait qu'on est à l'instar de préférence, et bien, il attend à ce que les sollicités pour ministre justice, ça dit préférence, révoquer le commissaire Miscardin. Et t'as reproché le commissaire Miscardin comme quoi il t'a, c'est des exécutions de sommet à faire. Eh bien, nous capables de comprendre. Bandit, commissaire Miscardin a justement voyé dans le pays Saint-Jacques, eh bien, ça t'a blessé. Et Pierre Espérance, ça t'a semblé, c'est chaque bandit, ça, c'est ta collègue, c'est ta homologue, Pierre Espérance, qui est, parce que nous, Pierre Espérance, ça va choquer les policiers qui ont trouvé. Ça va choquer les jeunes filles, les jeunes garçons, les petits mouns qui ont perdu la vie. Qui a perdu la vie, chaque chrétien vivant, les citoyens, des bois balancés, qui a perdu la vie dans le pays, qui c'est sans ça, mais c'est chaque léon bandit tombé, c'est espérance estomac, il saute, parce que bandit, c'est collègue, li, bandit, c'est 100 000, et de fait, ils sont bandits, par rapport avec déclaration, et procès qu'elle a pris pour bandit, mais tout le monde voit espérance, c'est un plus gros bandit, au même titre que Ariel Henry, nous, je veux dire, nous-mêmes, il n'y a pas paniqué. Ça clair, mon ap mouri en de pays, hein? Massacre à faire tout côté, mais yon pas paniqué, mais de bon bandit, depuis yon plume sous don bandit raché, c'est estomaqué. Depuis plume sous don, yon chef, yon kidnappé, et bien li raché, Pierre Espérance paniqué, et bien voilà, population, nous c'est que yon baye, Pierre Espérance, prenez Pierre Espérance à n'importe quel moment possible, parce que, pour le cas où ou non, l'aile de campé a fait Jimmy, tout le monde a fait ce qu'on a dit, tout le monde qui tape justement, par hasard avec Gagnon qui t'a fait prendre défense Gagnon et les bois calés populaires la bas les temps tout le monde peuple a déjà identifié qui monte dans les bois calés et bien même Jean Ouest qui campait avec Bandio t'as défendu Bandio et bien qui parlait comme c'est mis fait travail le peuple a lui-même confié pour le faire. Ah, et madame c'est pendant ce temps on n'a pas avancé et nous pour le fond tirer et rentrer dans ce canal là parce que pas oublier nous avons plusieurs réactions mais là et nous avons citoyens là Salomon. Monsieur t'a parlé et donc on nous prend extrait ça dès qu'il s'accueille t'a parlé et pour même qu'il t'ait une chance et filmer citoyen ça en rouge dans ce canal là. Eh bien, nous comme on dit pour nous de ce canal là et dans le cadre 24 décembre là et là citoyen ça les mêmes pendant la passe les garder et photo le président Jovenel Moïse mais citoyen les mêmes encore beaucoup de pas les gens vit parler le président comme ça nous pas besoin mon président tant que Jovenel Moïse qui a pensé pour la population, ouais, comment pour faire terre. Et bien, terre qui ont été vides depuis quelques temps, depuis des années, depuis des siècles. Il n'y a jamais fait un là-dedans, il vient là, il a pensé comment pour faire terre capable de manger. Le président a pensé pour comment il est capable de décentraliser le pays. Et bien, nous, un citoyen, ça qui dit, président Jovenel Moïse, n'importe les liens, la vie justifie quand même, parce que c'est bien ça fait avec la nation, en nous écoutant, nous avons expliqué dans la déclaration. Et bien, citoyen, ça qui t'a parlé, comment le président de Moïse, c'est bon. Tant seulement pour le monde en dedans, mais tant seulement tout le monde en dedans, payant et d'une. Voilà, mesdames, messieurs, eh bien, on nous prend extrait ça pour vous. J'en ai toujours dit, on a toujours clamé justice pour le pays d'Haïti, justice pour tête, nous, justice pour le président Jovenel. C'est mourir, monsieur, toujours vivant, d'après moi-même, pour esprit, vivant. Et nous connaissons. La mort à Jovenel, monsieur Sonnet qui mourit en héros, qui mourit en héros, même Jean de Saline de mourir, pour même cause de Saline de mourir, c'est même cause ça, il y a mangé Jovenel, Moïse. Mais bien compté, mal calculé. Il a pensé, la mort à Jovenel c'était point final, et bien la mort à Jovenel c'est point à la ligne. À la ligne, vers le progrès, vers le changement de notre cher pays, Haïti. Haïti, la mort Jovenel, comment la plus? Aïe, aïe, mon cher. Haïtien, la mort Jovenel, pas fait mal. Ce n'est que ça, pas haïtien, oui. Si n'est que haïtien, la mort à Jovenel, dans un Jovenel, dans sa vision Jovenel, c'est pas extraordinaire. Ok. Mais qui ça, président Jovenel, te fait que tu m'as en pile? Ça, Jovenel, te fait. Qui te marque en pile? Eh bien, dans tout président qui passait, c'est Jovenel qui est venu retrouver dans lui-même. Pour dévouement, pour détermination, pour saleté,
pour te bailler courant 24 sur 24 pour nous pas arrêter dans fait noir pour tenou yo te capable bailler manger te bailler manger pour pepay pataillement de mande voisin pour comprendre ça bedou manger cap faire malade ou qu'on comprendre pour nous te manger bon manger naturel nous pour nous te capable manger c'est tout ça qui frappe me qui fait me changer de journal les m'a regardé l'hôpital et l'hôpital et Jovenel fait est en pas de paix vous comprenez et me s'était rêvé en pile bagaille pour positif pour être capable de retirer le pays à côté de hier. Ah mais est-ce que vous pensez que le président Jovenel a une justice? Pardon? Est-ce que vous pensez que Jovenel a une justice? C'est la même justice. Mon cher était maintenant 20 ans, était maintenant 100 ans. Jovenel doit pour une justice. Ah. Yes. Voulez pas voulez la même justice. Yes. Voilà, et mesdames, messieurs, voilà, pendant qu'on a parlé de ça, et oui, merci à tous les citoyens, effectivement, tout ça que les collègues l'ont dit, c'est effectivement vrai. Et pendant ce temps, on a touché dossier ça, et, mesdames, messieurs, Melindia, que tu nous vas mettre sur l'écran pour vous, et mesdames, messieurs, nous toujours Abdil, fais attention dans la question drame conjugal, ou même qui a un problème avec ma ou avec ménage, ou bien bagaille pour nous pas faire, une étape nous pas lui dépasser. Étape côté que n'a tué mon mari ou mari a tué nous côté que n'a tué tête nous et c'est certain faut nous penser à ça mesdames messieurs parce que dans relation si tout c'est temps-ci bagaille difficile hein on pas tête nous mentir pas grand facile mais monsieur est-ce que nous gain information ça par rapport à demoiselle ça et nous qui font action là qui pas fin trop positif quand même et ça dépend et sous qui point de vue oui Salomon et Lanoul. Après la parole encore, c'est action pour nous commettre, nous allons commettre action. Voilà. Oui, mesdames, messieurs, pendant la parole là, les gens qui combat qu'a fait là, son combat justement de psychologie, il a essayé de comprendre qu'on ne parle rien, il a essayé de jouer dans le mental, ou, et il a essayé de diminuer. Je dis à la, comment tu es capable de comprendre Haïti pour ça que Haïti est, nous-mêmes, pour ça que nous représentons, eh bien, ou tande ki gon groupe la ki a mandé pour force étrangère dans rentrer dans pays an. Si pendant m'a parlé avec nous là mesdames messieurs pour nous-mêmes dans tout antilan actuellement qui pays nous pensez qui gagne plus insécurité on pose nos questions ça nous-mêmes qui là en bas live là qui a suivre là qui pays ou pensez qui gagne plus insécurité là dans Caraïbes là même pas ailleurs non dans Caraïbes là qui pays ou pensez qui gagne plus insécurité. Qui pays nous pensait gagner plus insécurité Salomon ça faut nous comprendre bien ti pays ça là ca yo charge insécurité y a vidé l'argent pour touristes capable débarquer y a créé sécurité en Haïti en façon pour nous même pour ne pas entrer en façon pour nous capable toujours la caillo en façon pour nous pas venir vers la caille par nous parce que nous gagne plus belle femme nous gagne plus belle langue nous gagne plus bon manger nous gagne plus belle histoire y a essayé diviser nous psychologiquement y a essayé attaquer nous là nous dit que prêtre catholique ça mourir là en quelque sorte son bonne victoire son bagage qui bon lié pour nous parce que psychologiquement les ont venir installer soi-disant Saint-Jean qui quelque monde qui était paniqué. Donc, son bataille de psychologique, il y a une plus grosse âme qui existait, il y a la peur. Il a essayé de faire peur, il a essayé de monter nous une contre l'autre. Mais je dis là, nous disons, selon même, dans l'île là, qui compte ou connaît qu'il y a plus insécurité, qui compte ou pense qu'il y a plus kidnapping qui fait, mesdames, messieurs, qui compte ou pense qu'il y a plus kidnapping qui fait pendant ce pays ça. La caille c'est bois y a fumé matin midi soir, c'est cocaïne qui a passé la caille, c'est la caille nous y a vinn caché, yo besoin rentrer en Haïti. Salomon, la gen nouvelle là pour nous, qui pays qui gen plus kidnapping, comment on parle avec nous là, kounya là. Bon, et Jimmy, là nous prend la Jamaïque. Là nous prend et là c'est nous même qui gen problème parle. Là nous prend Suriname, pour la Jamaïque là nous va être chargé et Jamaïque qui va parler, va parler. Mais gagne le pays tout le honneur là même Kenya ou Gaboba mais c'est pas j'ai problème là kayo moi moi quand pas comprendre moi pour me des problèmes et pas quand pour na kayo pour me mal pour na kayo dit mais qu'on a pour m'aller pour m'essayer l'autre monde et résoudre le problème là le honneur me pense que je dis faut qu'on me dit pas ici après moi moi me dire du mal encore me dit ça encore m'a pas pour encore mais quand bataille à faire. C'est pas l'État qui tient.
c'est pas nous qui font, mais plutôt c'est autorité nous qui donne. Vous savez bien? C'est pas l'État qui fait. Mal le monde dit l'État fait, la maison capable, c'est pas vrai. Mal le monde dit, c'est Gagnon qui fait, c'est pas vrai. Et moi, je dis ça encore, c'est Gagnon qui a dirigé. Et le jour de Gagnon, d'ailleurs, et l'honneur, on va avancer. Voilà, monsieur Dampod, on a parlé de ça. Nous disons, selon même, qui pays dans le Caraïbe là qui gagne plus d'insécurité? Il y a une statistique qui a à peine sorti là. Statistique, on parle de dans le CARICOM là. Hein? Pour pas dire dans l'antilan là. Yo dit que pays Jamaïque en tête. Aïe. Pays Jamaïque en tête dans région hein, côté gain plus insécurité d'après sondage là, taux d'insécurité il y a plus de 53.3% mesdames messieurs. Tendez bien. L'important que nous reprenti parti ça pour les n'a dit que justement insécurité à là li planifier, li organiser et puis y a essayé faut comprendre que c'est Haïti pas bon. Mes amis, nous venons faire c'est nous Haïti qui t'a de aller de Jamaïque. Oui? Salomon aller pour nous reprend pour nous. Allez, dis-moi information. Information pour tout le monde qui demande ba aux forces étrangères de pays. Mais qui fait quoi dans notre pays la Kawa? Ça va dire est-ce qu'on bloque les gens Haïti? Si on bloque les gens Haïti, eh bien là nous mettons des forces. Même nous aller Michel yo commencé avec dans le pays alors pas venir ici yo mon coco on en a parlé là selon toute information et selon et on s'est dit ça CARICOM Jamaïque en tête dans région avec yo taux de 53.3 assassinats pour 100,000 habitants pas 100,000 habitants ça veut dire sur chaque 100,000 habitants il y a 53.3 assassinats ça veut dire sur chaque 100,000 habitants Jamais vu en tête. J'ai appris comment c'est Haïti pas bon, c'est Haïti qui m'a l'air pas vrai. So, yo bon, malheureusement, yo bon imagine comme quoi vous m'avez l'aide. Et là encore, l'autre la Jamais qui est trop criminalité dans la caille, ou de vous m'avez Haïti, est-ce que vous m'avez un plan là pour détruire Haïti en pays? L'autre Kenyan, la caille, qui est trop criminalité, malade, et de l'autre est-ce que vous m'avez plus que vous gagnez? Pour détruire ça. C'est dans mon pense que le Canada va venir. Pour nous, les États-Unis va venir. Pour nous, la France va venir. Pour nous, le Brésil va nous. Pour nous, l'ensemble des pays, Salvador va nous. Nous prenons des pays qui ont passé dans un moment difficile, qui va causer du problème dans la caillou, et puis à voir là-bas nous. Mon pense que si nous avons un problème, nous avons des pays qui très bons dans cette militaire, accompagner la police, et puis venir dans cette guerre. Yo prend des pays plus mal passé nous et des pays qui nous poutaient des sources de ça et des pays qui gala et des pays qui ont même pour le pas nous qui plus mal et puis on dit à vous là pour que vous vous capable vous entrez avec ça là encore du même moi c'est un tort il a fait avec Haïti moi c'est un tort il a fait avec nous et c'est nous mêmes pour caler de nous pour nous dire nous pas le poste national comme ça c'est mal à dire là moi Adrien Michel qui donne des sentiments dans une de là qui dit faut bon faut plus rapide dans notre pays là là ouais André Michel ça s'est paniqué le soir là c'est quand fait pression sur mon négociant avant qu'il puisse venir pour demander pour nous elle écrit lui elle est du côté pour demander bas aux forces militaires elle dit si dans les deux mondes qui va aller ça sur pas mal de forces militaires c'est l'équipe aérienne là qui a perdu le combat mais majorité aérienne malgré ce travail là je comprends quoi je comprends là je dis au même mais bataille qui est là, c'est départ Ariel. Mais là encore dit, Ariel Henry, point LB, où est son joueur international qui a fait, son mission qui a fait, pour permettre et pour ne pas y avoir plus, mais tout est là, Lionel. Mais pendant ce temps, Salomon, pendant que nous, justement, Pabli nous dit que l'ennemi a pas attaqué tout. Pabli, pas parce que c'est nous-mêmes simplement qui a frappé. Il y a même tout, il y a pas attaqué. Donc, c'est meilleur moment, nous-mêmes tout qui parle de force étrangère parce que l'armée en là, BESAP là, la police en là, et puis peuple là, la pirade, Jaswa avec un peu même. Donc, c'est pour nous commencer la guerre sur toutes les réseaux sociaux, tout parce que faut nous frapper, mesdames et messieurs. C'est pour nous, non seulement demander de parler à l'Henri, c'est pour nous dire non aux forces étrangères. Utilisez bagay ça, mesdames, messieurs. Utilisez sur toutes les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout côté. Dit que nous pas besoin de forces étrangères. C'est pour yon que majorité peuple là, la diaspora haïtienne fait sentir voix nous. C'est pour nous dire que nous pas besoin de ça. Nous pas besoin de ça. C'est pas simplement rester à parler, poser des actions. On nous pose des actions. C'est ça pour nous faire, frère. Oui, là, nous.
Évidemment, Jimmy, nous connaissons Guy Philippe, dit lui-même, il parle de force d'intervention, mais il dit lui-même, il y a une solution, et c'est bien 90 jours pour tout ça résoudre, et bien nous connaissons là, Nathan, dans le cadre, et bien Guy Philippe, quand il vous met pied à terre dans le jour cabinet là, et bien bandit lui-même, il y a un cabinet avec mon pièce, non pas de force d'intervention, mais n'a tout appliqué une solution pour que le problème de ce Bois-Caléa, c'est le même Bois-Caléa pour nous tourner en elle, et parce que depuis une marche, tout kidnappé, tout calé, tout bandit, qui compte pas pour la vente de pays, même si nous ne sommes pas une part de force d'intervention, il y a des gens qui sont là parce que bandit ont mouru. Parce que Jimmy, force d'intervention, il va nous garantir la vente de pays, rien pour nous, même parce que en milieu de pays, parce que nous calés, nous connaissons. Haïti réputé comme pays qui n'a plus beau l'armée dans la région et qui s'est combattu l'armée napoléonienne, et bien je veux dire là, l'armée, même s'ils ont embryon l'armée à qui là, mais nous sommes capables, par rapport avec avantage psychologique qui ont gagné, nous sommes capables de faire fusion avec agents de Sapio, police nationale là, plusieurs unités de combat qui gagnent dans la police nationale là, et nous fusionnons ensemble, nous marchons pour mendier pour monde qui sont mourir. Nous avons besoin de solutions étrangères, mais on applique ça, nous là, pour nous donner des solutions rapides avec le problème ça, qui est parce que nous avons mouru dans le pays, et là, ça, parce que Ariel Henry, là, après l'armée, force multinationale, là, et bien, là, c'est ça qu'on avait, mais c'est pas dans le pays, à la fini. Mais quand même, il faut que mon fils soit mouru, c'est pour mon fils soit mouru, faut que c'est nous-mêmes qui résolvons le problème, non, faut que c'est nous-mêmes qui nous mettons tout ça en gain comme capacité, comme confiance pour nous fusionner, pour nous capables de résoudre le problème ça, parce que le problème est sécurité, hein, ben, tout le monde, ça, nous ne pouvons pas continuer tous les temps, et bien, on résout ça. Puis, le gouvernement pays d'Haïti, c'est Ariel Henry, deuxième, l'aime dit Ariel Henry, c'est ce système-là, deuxièmement, c'est bandit, c'est kidnappé, au cas des attaques, au cas de marcher tout le monde dans le pays, hein, parce que regardez là, tout le monde, depuis 6 ans, 8 ans, donc, arrivé près de la radio, donc, il n'est pas acceptable, on ne veut pas. Voilà, pendant qu'on a parlé de ça, mesdames et messieurs, et puisque nous voyons que M. Bissap est très motivé, nous avons salué d'ailleurs, nous avons salué Bissap dans tout côté, et puis nous avons salué bon grand policier nous, parce que nous connaissons grand pile policier là, tout capteur de nous là, qui voulait bataille, qui prêt pour bataille. Grand pile là-dedans, il faut nous mettre respect.